MIC, c'est mode intelligent chic. L'idée, c'était d'être vraiment d'être précurseur d'une nouvelle marque qui offre cette possibilité. D'une, d'avoir du textile effectivement en coton biologique, mais surtout, valoriser l'artisanat, faire tout ce que je peux faire en France. Dans mon logo, chaque tête représente un univers. Deux frères et une sœur qui vont nous faire découvrir leur petit monde organique. Le premier frère, l'idée c'était de créer un univers très chic. Le deuxième frère, lui, j'ai voulu l'emmener dans le côté globe-trotteur. Et la troisième, cette fille, donc cette sœur, elle voulait nous emmener dans son univers cocooning, sweetie. C'est mes enfants. Pour la petite histoire, oui, c'est mes enfants. En fait, avec eux, je déborde d'imagination. Ce que j'ai en tête, en fait, Laurent, il le réalise. On connaît toujours l'amorce d'un projet, le développement, les premiers prototypes, ce qui est toujours très compliqué pour un jeune créateur. De fou, comment je vais pouvoir passer de l'idée au concret d'un seul coup, matérialiser la technique, et c'est là où on vient appuyer. Donc, c'est notre métier, quoi. Et là, on est dans un super concept store qui vient d'ouvrir ses portes il y a tout juste un an. Les ados et les parents s'intéressent à la marque MIC. Les ados pour pour le visuel. Et les parents, d'abord ils sont intéressés parce qu'il y a un petit corner MIC. Et puis du coup, quand je leur parle de la marque, en coton biologique, créateur local, ça les intéresse plus. Bien sûr, mon rêve, c'est de construire aussi un concept store MIC, où là aussi je vais apporter tout l'univers biologique, essayer d'aller chercher tout ce qui pourrait être en adéquation avec les valeurs d'MIC. Oui.